La beauté a-t-elle une origine? Un lieu d'où elle émergerait avec évidence? Si l'art est un fruit qui pousse dans l'homme, pour moi sa graine fut plantée ici, dans cette mystérieuse mangrove. Je remonte aujourd'hui jusqu'à sa source. Une force majestueuse vibre dans ses eaux troubles et dormantes. Ce marais est à l'origine de mon déploiement mental. C'est lui qui m'a offert le territoire premier de l'élastogénèse. Cette jeunesse de l'élasticité se cache dans les replis du réel. Elle affleure parfois, furtive et inspirée, et propose alors sa logique résolutive. Le marais et son mystère favorisent ces surgissements élastogéniques dont il amplifie avec volupté la métamorphose. L'eau et la terre se conjuguent pour créer une immixtion unique. La nature, tout comme l'art, génère l'émerveillement, amplifie son écho. Elle invente des formes mobiles, influence nos sens, nos perceptions, notre vision. L'élastogénèse n'est pas virtuelle. Elle a fait le choix de la matière. Et par essence, elle retient le chaos d'embraser le cosmos.